Le pharmacien en établissement de santé, son travail, c'est de veiller à l'optimisation de la thérapie pour les patients qui sont hospitalisés dans l'établissement de santé ou, en fait, pour la clientèle qui est desservie par la pharmacie de l'établissement. Donc, la différence avec un pharmacien en communautaire, c'est que le pharmacien en établissement de santé, il a la chance d'être au cœur de l'équipe médicale. Il y a un contact privilégié avec les médecins et également avec le patient qui est dans les murs de l'établissement de santé. Donc, le pharmacien, c'est le spécialiste qui est là pour le médicament, puis veiller à l'optimisation de la thérapie, puis également pousser un petit peu plus loin le traitement dans les thérapies complexes. Les différentes facettes du travail d'un pharmacien d'établissement de santé, en ce qui me concerne, à tout le moins, il y a plusieurs volets à ce qu'on peut faire. En fait, ce qu'on est appelé à faire comme professionnel, ça peut être du travail clinique sur le terrain, donc être intégré dans les équipes de soins avec l'équipe médicale, avec les infirmières, collaborer avec l'équipe pour donner les soins optimaux aux patients, répondre aux demandes de consultation des médecins, etc. Donc ça, c'est un des volets, peut-être un des plus connus du pharmacien d'établissement. Là. Il y a aussi le volet classique là, de distribution, qui est en fait la vérification des ordonnances. S'assurer que tout ce qui est prescrit est adéquat, que les doses sont appropriées en fonction de l'état de santé du patient, sa fonction rénale, etc. S'assurer que les préparations qui sont faites par le département de pharmacie sont faites correctement. Donc, le travail plus de routinier de distribution du pharmacien. Il y a aussi, évidemment, moi je travaille dans le CHU de Québec, alors il y a tout un volet enseignement qui fait partie de notre vie, qui est intégré à travers tout ce qu'on fait. On a des résidents, on a des étudiants qui sont ici en stage, donc on les supervise, on les côtoie continuellement, puis ça fait des échanges quand même intéressants, là, ça nous stimule, ça nous remet en question plus régulièrement, puis ça nous permet de bien progresser dans notre métier, dans notre carrière. Il y a aussi un volet qui est un peu plus méconnu de la pratique, puis moins développé de la pratique pharmaceutique en établissement, qui est le volet recherche, qui est encore en développement. Là, on n'a pas encore beaucoup de ressources, on n'a pas beaucoup de temps qu'on peut consacrer à ces activités-là, mais de plus en plus, on en initie de la recherche. Puis, il y a également tout le travail qui est à l'extérieur, en fait, à l'intérieur de l'hôpital, puis à l'extérieur, mais le travail de collaboration multidisciplinaire, les travaux sur les comités, les différents comités de l'hôpital.